Salut, salut les amis, sur Super Miss Info pour une nouvelle vidéo. Attendez, je j'ai juste découvert que j'avais un bouton là. Je l'éclaterai après. Bref, aujourd'hui c'est pour vous parler comment j'ai découvert la K-pop. Alors, la K-pop, j'ai les. Oui, c'est une photo moi quand j'avais 10 ans, oui. Après, c'est Britney Spears et Timmy. Martin Saucet. Attendez juste 5 minutes. Voilà, j'ai juste mis la pause parce que ma soeur était montée dans les escaliers. Bref, j'ai découvert la K-pop quand j'avais 16 ans. C'était juste une ancienne camarade. C'est une camarade de classe de mon ancien lycée qui m'a fait découvrir. Mais c'était BTS qui m'a fait découvrir. Mais j'aimais pas du tout. C'était pas vraiment mon groupe K-pop préféré. Je crache en disant ça. Bref, sinon, je l'ai éclaté le bouton. J'ai fait une découverte il y a un an. Je regardais une vidéo que je mettrai peut-être en haute information. Là, ça j'essaierai de la retrouver. Je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, alors je vais essayer de la retrouver encore. Et la personne, elle me disait trop quelque chose. Bon, je dis, tiens, je vais regarder, ça parle à quelque peu. Ouais, je vais regarder. Et il parle directement de Uyana, je crois que ça se dit comme ça. Désolée si je la coche son prénom. Je suis désolée. Qu'elle chantait avec Psy, je sais pas trop le dire, Cabin Style. Voilà, voilà. Et après, depuis, j'écoute beaucoup de ses musiques. D'abord, j'écoutais son évolution et j'ai beaucoup aimé. Je suis devenue très vite fan. J'ai écouté tout en elle pour un moment. Après, j'ai continué encore la vidéo que j'avais redécouvert. La deuxième partie, c'était la deuxième personne dans la vidéo qui parlait. C'était Boa en K-pop et j'ai tout de suite adoré. Après, attendez, je vous explique tout. Bon, éclatez de rire. Après, j'ai écouté son évolution, j'ai carrément kiffé. Après, il y avait. Vous savez, sur YouTube, c'est marqué recommandé pour vous. Et c'était évolution de. Simi, je crois que ça s'appelle. Et j'ai écouté, il y a des musiques que j'aime pas et des musiques que j'adore. Alors moi j'adorais une musique, c'est 24 heures mais c'est en anglais. Et pendant un moment j'étais vraiment accro à cette musique, mais maintenant ça elle m'énerve un peu la musique. J'adore quand même la musique. Après il y a un groupe que j'ai écouté. Ah comment ça s'appelle Je marquerai, je sais plus, c'est avec ces cinq personnes. Après, j'ai écouté Evolution. Donc, il y avait encore une vidéo recommandée pour vous. C'était Evolution de Annie. Des groupes de. Je sais pas trop le dire, j'ai pas écorché le. le nom du groupe, alors j'ai vraiment très peur. Et voilà, et j'ai tellement adoré. C'est même ma préférée du groupe, franchement, je la suis sur Insta. Et bien sûr, n'oubliez pas à voir parce que mon compte est en privé, et oui. Après, les Water Girls, j'aimais bien leur début, mais pas trop vers la fin parce que j'aime pas trop. Voilà. Après, qu'est-ce que j'écoute en K-pop? Ah, il y a pas longtemps, j'écoute la K-pop rap. Et je vous mettrai peut-être dans la barre d'infos si vous. Elle date un peu, mais j'adore cette musique. Bref, voilà, je vous ai expliqué. Attendez, juste 5 minutes. Voilà, je vous ai expliqué comment j'ai découvert la K-pop. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bonne rentrée.